sensation du trophée Andros avec Mazda. Il faut retenir de cet avant-dernier rendez-vous de l'Andros 2016, c'est la magnifique domination du champion en titre Jean-Philippe Dérault. Sa Mazda 3 et lui ont littéralement assommé la concurrence. Pourtant, dès l'entame du week-end, la météo est venue jouer les troubles faites. Ce n'est pas sur une piste glacée que Jean-Philippe Dérault doit évoluer, mais bien sur un bitume de plus en plus apparent. Le leader de l'équipe Mazda prend tous les risques, mais rien n'y fait. Le résultat de la première séance qualificative n'est pas à la hauteur du potentiel de la voiture et du talentueux Jean-Philippe. Alors, l'équipe redouble d'efforts. Ingénieurs, mécaniciens, chefs d'équipe, chacun retrousse ses manches. Tous cherchent inlassablement les bons réglages et le but est finalement atteint. Jean-Philippe Dérault, le sextuple champion, survole la deuxième séance qualificative. Voici la quête de la pole position pendant quelques secondes vue de l'intérieur. À l'issue de trois tours d'anthologie qui le qualifient à la première place, c'est un homme soulagé que l'on retrouve. Là, on a tenté un truc et on a mis le doigt sur ce qu'il fallait faire et là c'est plus pareil, la voiture est magique. Donc on va encore travailler pour améliorer la performance et puis pour être plus régulier après. Quant à la course de Jean-Philippe, elle est tout simplement parfaite. Il prend le meilleur départ et conserve l'avantage durant toute l'épreuve, malgré la présence insistante d'Olivier Panis dans ses rétros. Ce que les observateurs de cette manche de Superbes retiennent, c'est la maîtrise totale de Dérault. Il ne fait qu'un avec sa Mazda. On ne refera jamais un trophée avec des si, mais il est certain que les soucis du mois de décembre ont une certaine résonance en cette fin de saison glorieuse. Une victoire de plus et le contentement encore et toujours pour Jean-Philippe. C'est surtout la victoire de Mazda, de toute l'équipe, d'être revenu et alors, vous savez, on voit que l'auto marche bien et qu'il fera compter sur nous l'année prochaine, bien évidemment. Les statistiques parlent pour Jean-Philippe Dérault. Depuis la fin des soucis et jusqu'à aujourd'hui, il est le recordman des victoires. Il est monté à 3 reprises sur la plus haute marche du podium. Mazda est plus que jamais certaine de ses performances et convaincue que son pilote de pointe demeure bien la référence absolue dans le trophée Andros. Le rendez-vous est plus que jamais très attendu. Dernier meeting à Saint-Dié-des-Vosges le samedi 13 février. Vivez les sensations du trophée Andros avec Mazda.